Décortiquer notre actualité. Quelle actualité avec notre profiler, mesdames et messieurs, l'icône de toute une génération gay. Vous allez accueillir Baptiste Le Caplan. Bonsoir Baptiste. Tu fais l'unanimité chez les hommes comme chez les femmes. Alors. Content d'être là, ça y est, retour, le premier tour est passé. Pour certains candidats, malheureusement, c'est terminé. Les rêves s'envolent. Fini. Et maintenant, j'ai envie de dire aux candidats qui sont passés à la trappe, cap sur 2017, les prochaines élections. Et oui, on a 5 ans pour se refaire. 5 ans pour se refaire. Moi, j'ai envie de vous faire un petit topo de ce qui va se passer dans le futur. Mm-hmm. Hein, alors, petit exemple. En 2017, Laurence Ferrari leur a pris un bon coup de vieux. Du coup, on l'appellera Claire Chazal. Et Claire Chazal, eh ben, on l'appellera Jean-Claude Narcy. Mais dis-moi, tu veux que je me fasse virer ou quoi? Je ne pourrai jamais virer. En 2017, je pense que les Anglais viendront voir les Français en disant « Hey gars, ça y est, on est passé à l'euro !» Bah ouais, mais Marine vient de se faire élire, donc du coup, on est repassé au franc, les gars. C'est horrible. C'est horrible. Ils sont cons, ces rosebifs. Ils disent bah, « C'est raciste !» Bah oui, c'est raciste, bienvenue en France. Bah ouais. Alors en 2017, qu'est-ce qui va se passer encore? En 2017, Marine Le Pen aura enfin raison de dire qu'il y a trop de noirs en France. C'est pourquoi? Parce que le 21 août, il y aura une éclipse solaire totale. En 2017, alors ça c'est vrai, Jacques Cheminade aura 76 ans. Ouais. T'imagines s'il est eu président? C'est le nouveau président de la République, Jacques Cheminade. Ouais. Oh merde! Oh la merde! Alors, sa femme alors! Bah, il était veuf! Son fils alors! Non, alors, foutez-moi la paix, j'ai 59 ans, je suis un an de la retraite! En plus, je viens de m'acheter un nouveau parasol, alors foutez-moi la paix! En 2017, qu'est-ce qui va se passer? En 2017, les crocodiles et les serpents seront en voie d'extinction totale. Du coup? Bah, ouais, c'est prévu. Du coup, Florent Pagny, il présentera The Voice à poil. C'est vrai que je me reconnais que Florent Pagny, il a des blousons d'un autre monde. Hein. Céleste, un peu. C'est pas trop le matériel, c'est la couleur. Tout même. Oui, c'est ta raison, oui. En 2017, Zaya leur a fait un test ADN. Et le résultat, on l'a, bah, ça sera un album Panini. J'ai vérifié, il faut 3-0 après le chiffre. Merci beaucoup, Arthur. En 2017, on entendra cette phrase chez les Courgeons. Chérie, va falloir penser à décongeler les enfants parce que sur la date de péremption, on est limite. Oh en 2017, t'auras ce dialogue très bizarre entre deux filles qui diront « Oh, écoute, Katia, j'ai rencontré un mec délirant. » Ah ouais, raconte, il arrête pas de me dire qu'il s'est présenté aux élections présidentielles. C'est pas vrai, comment il s'appelle? Poutou, le gars est constamment dans la vanne, je te jure, c'est fou. En 2017 sortira l'iPad 13, 14, 15, 16 et 17 avec Dominique Strauss-Kahn comme égérie et il y aura ce slogan, c'est tactile et c'est légal. Du coup, Nafissa Atou Diallo en profitera pour sortir son livre sur l'affaire du Sofitel. Ouais. Ça s'appellera « Il est sorti de la salle de bain et il a tiré ». Ce qui sera exactement le même titre que le film sur Mohamed Merah. Oh non. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Et en 2017, on voit Arthur. Disons, Arthur, qu'est-ce qui est devenu Baptiste Le Caplan? Je sais pas. C'est bien parti pour. Ok. En tout cas, je suis content de ma conclusion. La conclusion. Je vais me faire virer sur celle-là, mais je m'en fous et je voulais te dire que je t'aime, Arthur. Vraiment. Merci, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Une chose est sûre, c'est qu'en 2017, et ce pour la 9e année consécutive, Arthur aura été élu l'animateur le plus antipathique de France. Merci, Baptiste Caplan, on est dans toute la France avec Baptiste Taplafiche.